Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin déjà. Tout le travail d'aujourd'hui sur cette journée organisée par la Ligue de l'enseignement est centré autour d'un des vecteurs de transformation de l'école, ce qui fait bouger l'école. Il y en a plusieurs vecteurs identifiés. L'un de ceux-ci est la coopération. Comment, en travaillant ensemble, plus, mieux, autrement, à tous les niveaux, cela fait bouger les professionnalités, les structures, les organisations. Et vous voyez bien que ça bouge tous les jours. Pour s'appuyer, faire un débriefing de la journée à partir des actions qui ont été présentées à midi, entre midi et 13h, des actions locales qui ont été développées sur le terrain par un certain nombre d'acteurs qui sont présents ici. J'ai demandé à Emmanuel Vaillant, le dernier installé. Bonjour Emmanuel. De pouvoir animer cette session. Emmanuel est un journaliste qui a travaillé à l'étudiant et qui a fait une récente parution de la rentrée, comme pas mal de publications à la rentrée, qui s'appelle « Des bonnes nouvelles de l'école ». Des bonnes nouvelles de l'école. Donc 2 ans à passer à faire des rencontres bonnes avec une série d'équipes qu'on a pu accompagner sur le terrain, dans tous les territoires, sur pas mal de domaines. Et donc cette publication est tout à fait intéressante. Elle donne une photographie beaucoup plus réaliste que ce que nous donnent les médias souvent sur les questions d'école. Et donc j'ai pensé utiliser vraiment Emmanuel pour pouvoir porter la controverse avec l'appui de Catherine, mais qui va se présenter aussi, sur les questions de l'école. Emmanuel, c'est à toi de jouer. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Peut-être que, alors pour introduire, j'ai juste besoin d'une petite précision. Est-ce que tout le monde a connaissance des différentes initiatives, ou est-ce que je vais vous donner la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez, en quelques mots, pardon, dire un peu les initiatives que vous portez. D'accord. Parce que, évidemment, en fait, l'idée de cette conférence, qui je l'espère, sera très interactive, on va bien sûr donner la parole à tout le monde, mais aussi dans la salle pour qu'il y ait des échanges, qu'on couvre largement la question du numérique, qui est toujours posée en termes de, un peu, de façon un peu caricaturale, de pour ou contre. Cette question-là est totalement dépassée. Il n'est plus question de savoir si on est pour ou contre, puisque le numérique est là, il faut bien faire avec. Mais au-delà de ça, ça pose des questions de: est-ce que le numérique, c'est plutôt un outil? Est-ce que c'est un simple outil? Est-ce qu'il est si simple que ça? Et est-ce qu'il n'a pas des incidences particulières dans la manière dont on l'utilise? Est-ce que c'est juste une donnée qui est possible, quoi, qui permet d'avoir un accès à une quantité inchiffrable de données et très diversifiée? Je voudrais bien que ces questions-là soient traversent un peu. Et puis aussi la question de, évidemment, est-ce que le numérique, il est là pour donner plus d'informations, plus de connaissances, ou il est là pour mieux faire apprendre ou apprendre à apprendre? C'est évidemment les questions qui vont traverser ces interviews. Je vais commencer par vous, Judith François. Je voudrais que vous nous dites en un mot donc la coupe robotique des écoles primaires qui s'est faite à Lille. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et quel est l'enjeu de la mise en place de cette fameuse coupe robotique? Je vais peut-être faire en sorte que des micros... Voilà. Merci. En fait, la coupe de robotique des écoles primaires a été lancée à l'initiative d'un groupe d'étudiants de Polytech Lille qui souhaitait instaurer une liaison entre l'université et les écoles et les élèves pour faire découvrir ce qu'était le métier d'ingénieur. Donc voilà l'origine. Depuis le premier défi, un cahier des charges est établi chaque année avec pour objectif cette fois-ci de développer des compétences dans tous les domaines, aussi bien dans le numérique, donc mieux comprendre ce que c'est que les objets connectés, programmer la programmation,
tel qu'inscrit dans les programmes. Donc, ce qui amène quand même les élèves à se dire la programmation, programmer un robot, c'est faire des mathématiques. Ah, tiens, ça, je ne le savais pas. Et avec tout un tas d'autres finalités qui sont liées, j'allais dire, à ce cahier des charges assez vaste qui oblige à construire une piste, donc à mobiliser des concepts géométriques, à passer d'une petite échelle à une grande échelle, à envisager dans le cadre du projet l'achat de matériaux pour concevoir la maquette à grande échelle pour le jour du défi. Et donc, au-delà de tout ça, l'objectif que j'avais, moi, en tant qu'inspectrice, c'était de nourrir une sorte de petit cheval de Troie, comme dit André Tricot, qui, par le biais des objets connectés du numérique, viendrait quelque part mobiliser, chatouiller les pratiques enseignantes et les faire évoluer. Et je peux vous dire, c'est gagné. Sans rien dire, sans avoir l'air d'y toucher, le fait d'introduire ces robots dans les classes, ça a amené les enseignants à être obligés de travailler autrement, à se mettre à distance de leurs élèves, à les observer, à pouvoir distinguer, identifier, bien sûr, grâce à la formation et à notre accompagnement, les erreurs, amener les élèves à s'exprimer sur ce qu'ils font, etc. Donc, je vais dire, le challenge est gagné, et il est gagné d'autant plus que d'année en année, le nombre d'élèves participant à cette coupe s'accroît. Nous sommes partis de 4 classes à l'origine pour en être aujourd'hui 21, 5 ans plus tard. Ben voilà, donc mobilisation d'un nombre conséquent d'élèves juste et une question, évolution des pratiques. Vous citiez André Tricot qui s'emploie un peu à déconstruire quelques mythes sur le numérique et sur l'innovation. Est-ce que selon vous, là vous dites ça a permis à ce que les élèves soient mieux dans la discipline et ils trouvent plaisir, semble-t-il, à y entrer. Quelles étaient les conditions pour que ça fonctionne ? En fait, le défi, il est de fait motivant. Il faut réussir à réaliser un parcours, il faut construire son robot, il faut inventer l'histoire de ce parcours, écrire une narration. Donc, c'est extrêmement motivant pour les élèves. C'est la notion de projet, mais aussi l'idée de mettre en place des ateliers coopératifs pour se mettre d'accord, partager, chercher des solutions, résoudre les problèmes. Donc on est vraiment dans une pédagogie active, dans une stratégie de résolution de problèmes. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est quelle est la place du numérique au service des élèves et de leur compréhension quand même de l'outil. Une approche aussi de l'éthique et de la déontologie par rapport à ces robots dans la société. Donc tout un tas de problématiques quand même qui sont posées par les enseignants avec leurs élèves, plutôt que de laisser cet aspect-là à la maison, ça me paraît essentiel. Et puis avec des enfants qui, de fait, partagent leur savoir aussi avec leurs parents, en disant, j'ai appris que la voiture qui était contrôlée, c'était des capteurs qui étaient embarqués. Et d'accord. Donc avec tout un tas de parallèles. Olivier, oui. On démystifie, je pense, et le numérique et un certain nombre d'objets connectés, et chez les enfants, et dans les pratiques enseignantes, pour les enseignants, bien évidemment, qui y sont volontaires. Ok. Olivier Ratteur, vous avez développé une filière innovante dans votre lycée. Oui. Vous nous en dites deux mots, justement, sur à quoi ça consiste cette filière et pourquoi ? Alors, on a créé cette filière innovante parce que ça concerne 4 classes de la seconde à la terminale, qui sont basées sur 3 piliers, on va dire. Donc la première, c'est la coopération, la deuxième, c'est l'évaluation par compétences, et ensuite le numérique. Voilà, en 3 mots. Et pourquoi cette filière ? Quel était l'objectif dans la mise en œuvre de ce projet ? Alors, c'est venu en fait de plusieurs, on a eu plusieurs entrées, on va dire, ça vient d'un travail qui a été fait sur le projet d'établissement, où on a essayé de travailler du coup sur le bien-être des élèves à l'école et sur l'utilisation du numérique. Et donc ces différents travaux en fait ont fusionné dans un seul et même projet qui pour nous faisait sens. Mais alors explique-moi comment vous faites le lien entre bien-être et numérique. Comment vous... Alors, c'est plutôt en termes de coopération et de bien-être, je dirais, au sens où le numérique est en fait juste un outil pour nous, c'est un outil en fait pour au jour le jour pour la coopération. Pour la coopération. D'accord. Mais en quoi ça les met en situation d'être en coopération ?
l'outil numérique que vous mettez en place, du coup? Alors, il faut que je vous parle de deux mots, c'est pas facile quand même. Alors, allez-y un tout petit peu plus dans les détails. Alors, en fait, on utilise essentiellement un réseau social pédagogique au sein de la classe, où en fait l'ensemble des, enfin au sein des trois classes d'ailleurs et des quatre classes, où l'ensemble des enseignants sont, les enseignants sont sur ce réseau social, les élèves aussi, et en fait on a beaucoup d'intervenants extérieurs aussi qui permettent de travailler là-dessus. Et le gros avantage pour moi, en tout cas, c'est que ça a décloisonné l'instant classe, c'est-à-dire que en fait, je suis en communication constante avec les élèves, où que je sois, que ce soit le soir, le week-end, voilà. Donc on a aussi d'autres outils, on a créé un groupe de discussion également pour les élèves, où ils peuvent en fait contacter les professeurs systématiquement à n'importe quel moment pour poser des questions, que ce soit disciplinaires ou d'autres choses. Voilà. Très bien. Je passe. Alors, j'ai bien vu. J'ai oublié de vous présenter Catherine Chabrin, parce que évidemment, vous avez ici dans cette conférence des discussions un rôle particulier que je trouve très intéressant. Je voyais vous étiez. Est-ce qu'on peut vous dire vous êtes l'ami critique? Je trouvais très très joli de dire ça, c'est dire que vous êtes à la fois dans une posture très attentive de ce qui se fait sur le numérique, mais vous n'hésitez pas à dire aussi les points de frottement ou d'interrogation que vous avez sur ces outils. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer le tour de table et puis je vous ferai intervenir après. Patrick Saoula, au Collège des Bréguières, c'est le tout couleur. Vous nous dites en quoi ça consiste? Alors, ça fonctionne. Est-ce que j'ai 6 minutes 20 et je vous fais le pêche à coucha ou pas? Est-ce que j'ai 6 minutes 20 et je vous fais le pêche à coucha? Oui, on peut. Oui, non, je plaisante. Je plaisante. Bon. Tout couleur, Vous avez 3 minutes. Allez-y. Tout couleur, c'est une nouvelle pédagogie que nous avons mis en place. Donc, nous avons conceptualisé. Et qui est basé sur un nouveau lieu dans les établissements scolaires qu'on a appelé la salle ouverte, qui permet d'offrir un nouveau regard sur le lieu, l'espace et le temps. C'est ouvert à tous, à tous les professeurs, à tous les élèves, à tout moment, et également aux partenaires, donc aux personnes de l'extérieur du collège, et où chacun va travailler sur un... On va se rassembler pour travailler autour d'un projet ou d'une idée, et essayer d'aller le plus loin possible pour le mettre en place. Voilà. Donc là-dedans, le numérique est très présent comme pourrait l'être le papier, le stylo, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, grâce au numérique, ça nous ouvre le champ des possibles et on va beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait aller. En tout cas, dans certains projets, on a des projets où on n'a absolument pas besoin. Mais en quoi, justement, ça permet d'aller plus loin grâce au numérique? C'est-à-dire que on est des exemples. Alors oui, par exemple, l'exemple typique, c'est on a créé un journal TV 100% élève de la réalisation au montage, à la conceptualisation, à la conception. Aujourd'hui, sort sur le site de France TV Éducation la première émission faite par les élèves à 100%. Et c'est quelque chose que on n'aurait pas pu faire sans le numérique, tout simplement. Mais si je vous dis qu'on a un pôle laïcité où les élèves proposent des actions pour les autres élèves, le numérique n'est pas forcément présent en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà, c'est vraiment un outil, mais qui nous permet d'aller plus loin, en tout cas, que ce que l'on aurait pu aller sans lui. Voilà. Merci. À côté de vous, je continue le tour de table, Rachid Sadaoui, donc du Collège Aubrac à Lille. Tourcoing. À Tourcoing, pardon. Tourcoing. Pas très loin. C'est dans la métropole lilloise, mais c'est Tourcoing quand même. D'accord, excusez-moi. D'accord. Donc vous, c'est Lucisphère. Oui. Une web radio pédagogique. Oui. C'est quoi, Lucisphère? C'est une web radio, c'est-à-dire que les élèves produisent des sons. Alors, je ne vais pas refaire le pêche à cucha de ce matin. Ce midi, on a présenté avec mon collègue Mathieu Assemant, professeur documentaliste, les vertus pédagogiques de l'utilisation de la web radio et du webzine. Mais là, je me propose de rebondir sur une question que vous posiez tout à l'heure sur quel bien-être le numérique peut apporter à travers un exemple. Par exemple, en faisant de la radio. Je suis enseignant d'histoire-géographie, je mène un projet de géographie sur l'aménagement d'un quartier
qui est le quartier de l'Union à Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Et je fais travailler des élèves. C'était la première année où j'étais au collège Lucie Aubrac de Tourcoing, un établissement REP+, avec une classe très hétérogène, avec des élèves décrocheurs dans la classe. Et ben, le seul moment où j'ai raccroché par exemple ces deux élèves décrocheurs, c'était lorsqu'on je leur faisais réaliser des reportages radio. Et vous travaillez, et j'ai fait de la géographie, ils ont mené une enquête, ils ont préparé leurs interviews d'abord à l'écrit, hein, donc la radio commence avec un papier et un crayon, ils ont préparé leurs interviews, ils devaient rencontrer des interlocuteurs assez pointus, des urbanistes, le propriétaire d'un café, j'ai fait écouter un extrait sonore tout à l'heure, qui était menacé d'expropriation, à différents acteurs de ce projet d'aménagement urbain. Et en fait, ce que ça change le numérique, c'est que finalement, le savoir n'est plus descendant, vertical. C'est pas l'enseignant qui dit, ben voilà ce que vous devez retenir. Ce sont les élèves qui, aidés par l'enseignant, vont aller chercher la matière que l'on va ensuite exploiter en classe. Et lorsque vous envoyez sur le terrain des élèves de 3e décrocheurs, vous leur dites, voilà, tu as un enregistreur numérique, tu dois aller poser des questions à cet acteur de l'aménagement et revenir avec des choses. Quand vous revenez en classe, la première chose que l'élève vous demande, c'est « Quand est-ce qu'on écoute mon reportage ?» Le fait de publier sur la web radio, ça donne de l'enjeu. Ça pousse les élèves à se dépasser, à essayer d'améliorer leur manière de s'exprimer. J'ai pris cet exemple avec la radio, j'aurais pu prendre l'exemple avec le webzine. C'est la même chose lorsqu'ils publient un reportage sur le webzine YOLO, qu'ils vont rencontrer des gens qui font un élevage d'insectes. Le reportage s'appelle « Discussion autour d'un verre ». Et d'un verre, échange autour d'un verre et un verre à manger. Et les élèves vont, de la conception du reportage à la publication, il y a un enjeu pour les élèves qui les amène à se dépasser. Voilà un des exemples de. Mais par exemple, excuse-moi de la question un peu quoi, faussement provocatrice, est-ce que le fait que vous fassiez ça en web radio, ça diffère tant que ça d'un journal papier ? Parce que vous pouviez faire la même chose sur un journal papier, à part le fait. Non ? Le son, c'est pas le journal papier. Oui, bien sûr. Non, mais vous prenez l'exemple de ce que vous dites, un webzine. C'est important. Ouais. Pourquoi le son ? Je prends l'exemple du son. Le son, pour moi, il est sous-utilisé dans nos cours en général. Moi, j'enseigne l'histoire-géographie depuis une quinzaine d'années, et finalement, souvent, on utilise l'image dans les cours. On utilise très peu souvent uniquement la matière sonore. Or, ça a dit de multiples vertus d'utiliser le son en classe. Voilà un exemple de pourquoi on ne fait pas un journal papier. Ce qui n'enlève rien aux multiples opportunités de faire un journal papier, hein, évidemment. Et après, le numérique, c'est un outil, justement. C'est un outil qui peut nous servir à faire travailler des tas de compétences, à faire progresser les élèves. Ce n'est qu'un outil. L'entrée, elle est toujours pédagogique. L'entrée, c'est comment je fais mieux écrire ou mieux parler mes élèves, comment je les fais mieux s'exprimer, être plus à l'aise à l'oral. Comment je les fais aller chercher des informations. Voilà, c'est... Et après, il y a l'outil. L'outil, le numérique est un outil, mais au service des apprentissages, et pas une fin en soi. D'accord. À côté de vous, Benjamin Châtelain, vous êtes enseignant référent aux usages du numérique. Alors, j'ai pas noté votre. Vous êtes sur quel établissement et sur quel projet ? Donc, nous sommes basés sur le Loiret. Je représente effectivement l'équipe du Loiret qui conçoit le défi web. Ok. Donc, sur Orléans. Le défi web 45. Exactement. C'est quoi donc c'est des classes numériques immergées, c'est ça ? Alors non, comme son nom l'indique, effectivement, défi web, c'est un défi en tant que tel que l'on pourrait proposer hors numérique. Qui dit défi dit une quête scénaristique. Donc nous, en fait, on part d'une page blanche, on programme derrière et on réalise en fait des défis, donc des énigmes différentes pour les élèves, où ils doivent à chaque fois aider le personnage principal, en l'occurrence qui s'appelle Théodule. Et lors de ces différentes quêtes, ils vont avoir donc accès à soit de la lecture, de la littératie numérique, soit de recherche internet, soit des exercices sur la programmation, etc. C'est-à-dire un certain nombre d'exercices qui vont aider la quête de Théodule et qui vont utiliser le numérique pour faire collaborer les élèves ensemble, avoir une réponse unique et ensuite proposer leur réponse à Théodule derrière. Ça veut dire que par les défis que l'on propose, il va y avoir une interaction de classe, une recherche par groupe ou petit groupe à l'intérieur des classes, pour ensuite avoir un échange en classe et une réponse unique envoyée à Théodule derrière. On se sert donc du numérique pour avoir vraiment ce travail de groupe et de coopération à l'intérieur des différentes classes. Et le défi en tant que tel est ouvert, oui, directement aux écoles du Loiret, mais pas que, puisqu'on automatise tout.
En fonction du niveau sur lequel on s'inscrit, par exemple CE2, je vais avoir des exercices de CE2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 750 classes qui sont inscrites par défi que l'on propose. C'est le 16e que l'on est en train de faire et qui va s'ouvrir d'ici quelques temps, et le 15e qu'on présentait ce midi. Et donc, ce sont des défis qui peuvent être utilisés par l'ensemble des classes au niveau donc région centre, France, mais même en dehors, puisqu'on a des classes un peu d'ailleurs. Très bien. Merci à vos côtés, Yannick Rouin, donc de l'Orchestre numérique de l'école Jonquière. Oui, tout à fait. Et puis avec mon collègue Jonchère, et puis avec mon collègue Raphaël Grossior, et avec Ruin, de l'école de la Jonchère. Et à vos côtés, vous êtes Raphaël monsieur... Grossior, donc CPEMD de la Haute-Savoie. 74. D'accord, donc vous représentez tous les deux l'Orchestre numérique de l'école Jonquière. Oui. Donc effectivement, le numérique a changé, ben, comme on l'a exposé ce matin, hein, pas mal de choses. En premier lieu, le numérique, ça a changé beaucoup la diffusion de la musique. Hein. Il y a quelques années, c'était le concert qui était la référence. Ensuite, c'est devenu le disque. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur YouTube. Donc, avec tout ce qui est induit dans les pratiques artistiques. Mais c'est également, le numérique a changé les manières de produire la musique. Et du coup, les manières instrumentales sont relativement connues. Mais ça a ouvert d'autres possibilités avec le numérique, et notamment sur le travail sur le timbre. Jusqu'à présent, la mélodie et le rythme étaient des choses qui étaient déterminantes dans le travail de la musique. Et maintenant, on voit que de plus en plus, alors que ce soit avec les designs sonores, que ce qu'on appelle le timbre, c'est l'empreinte musicale. Hein. Par exemple, le timbre, c'est ce qui différencie, hein, si je joue un La au piano et un La au violon. On voit bien que c'est la même hauteur de son, ça peut être la même durée, ça peut être la même nuance. Mais par contre, on va voir que le grain va être différent. Et du coup, avec l'accès au numérique, on peut travailler sur par exemple, ce domaine-là musical. Et c'est l'outil numérique en lui-même qui nous fait accéder à ça. Donc, avec le numérique, on est quelque part en phase avec la réalité quotidienne aujourd'hui de la manière dont on produit la musique, par exemple. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est par rapport à l'esprit de coopération, parce qu'on est là aussi pour ça aujourd'hui, c'est que le climat scolaire qui est induit par ces types d'orchestres, où justement on va jouer sur des modes de jeu, hein, je l'ai dit ce matin, par accumulation, par tuilage, on va perler certaines interventions de certains enfants qui vont jouer sur leur tablette pendant que d'autres font un continuum de son. Je ne sais pas si j'arrive, si vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Il faudrait une démonstration, évidemment, sonore. Mais en tout cas, chacun a sa partie à jouer, manière soit écrite, soit complètement improvisée, mais en tout cas avec une intention musicale derrière. Et on est interdépendant de l'autre, d'accord ? On ne peut pas se planquer derrière sa tablette en attendant que les autres aient fini de jouer. Tout le monde a son rôle. Et du coup, cette coopération des enfants les uns avec les autres, de ces élèves les uns avec les autres, ça induit forcément des attitudes au niveau citoyenne qui sont extrêmement intéressantes à travailler, qui plus est dans une école très difficile, dans un quartier défavorisé. Voilà. Et on a vraiment des résultats qui sont assez spectaculaires sur l'attitude des élèves dans ce genre de configuration. Voilà. Outre l'aspect coopératif, évidemment, on travaille le programme aussi, et donc on travaille des tas de choses, des tas de compétences en éducation musicale autour des productions, des créations et de l'écoute. Voilà. Catherine Chavrin, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous avez écouté donc ces différentes initiatives que vous connaissiez, vous les connaissiez peut-être sans doute déjà. Est-ce que vous êtes, qu'est-ce que ça vous dit sur la question justement de la coopération ? Est-ce que il suffit, tel que vous l'avez vu décrit dans les différents dispositifs, de mettre en place ces outils pour que la coopération induise d'elle-même comme une espèce d'évidence, ou est-ce que vous êtes dubitative là-dessus ? Je vais essayer de parler. Alors, excusez-moi parce que j'ai l'angine. Donc, je vais essayer de on l'entend quand même ? D'accord. En gardant le micro proche. Alors, donc, je suis la seule à avoir mon petit cahier parce que pendant la présentation, j'ai pris des notes. Et puis, j'ai relevé ce qui résonnait en moi en tant que pédagogue qui a toujours souhaité une classe fraternelle, émancipatrice et coopérative. Donc j'ai forcément écouté et regardé vos initiatives avec ce regard-là. Donc c'est pas l'outil qui fait la coopération, c'est tout ce qu'on met en amont, pendant et après. Donc j'ai essayé de repérer dans chaque initiative ce qui me résonnait en tant que coopération. Alors je ne sais pas si c'était ça que je devais faire. Si, tout à fait, c'est exactement ça que j'attends de vous. Voilà, donc allez-y. J'y vais. Oui. Donc dans la
première initiative qui était tout couleur, j'aime bien le mot, c'est sur la salle ouverte. Alors j'ai trouvé quelque chose de... qui m'a sensibilisée énormément autour des échanges de savoir. Donc c'est un espace où les, si j'ai bien compris, où les enfants, un espace tout le temps et partout. Enfin, on peut. C'est un espace hors temps et hors salle de classe. Donc c'est un espace différent où les enfants, enfin, les enfants élèves peuvent échanger, partager leur savoir, s'entraider. Se connaître et se reconnaître. Donc j'ai trouvé que c'était, ça résonnait beaucoup. Et avec la participation des enfants, c'est-à-dire que la participation, pas seulement je participe à l'espace, mais c'est aussi de mon initiative de dire bah, je t'aide, je travaille avec toi. Voilà ce que j'en ai compris. Avec de, forcément la valorisation, parce que celui qui sait même un tout petit peu, s'il peut le transmettre à quelqu'un, il va être valorisé. Voilà ce que j'en ai compris. Et j'avais une... en prenant les notes, je ne sais plus... c'est à toi, d'accord. Et je voulais savoir si ça SMS, c'est-à-dire cette possibilité qu'ont les enfants d'échanger, de s'entraider, de faire ensemble, si ça SMS dans les autres classes, si ça plaisait aux profs, quoi, pour faire vite. Allez-y, c'est parfait. Alors, on va organiser le dialogue comme ça. Oui. Ouais. Donc ça SM en dehors du collège, donc dans les écoles primaires et du secteur et dans les écoles, dans les lycées et dans certains collèges, notamment en France à Troyes. Dans le collège, ça SM partout, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. On vient et on va se. Il y a plus de classe en fait. Il y a plus de classe, il y a plus de professeurs. C'est on va se regrouper autour d'une idée. Et chacun va aider l'autre en fonction du projet et va essayer de mener à bien ce projet-là. Donc il y a la classe, le temps n'existe plus. Voilà, on vient quand on veut et on travaille autour de ce dont on a envie. Si on a envie de créer une web radio, par exemple, je prends l'exemple de mon voisin, mais que je suis en sixième, je peux créer une web radio avec un élève de troisième et le faire avec un prof de maths. Ou avec un prof de dessin parce qu'il aime faire de la radio. Donc on sort du cadre scolaire et de ce surtout pourquoi on est, nous, enseignants. Alors moi, je suis professeur d'atelier cuisine, si j'ai envie de faire un journal, ben rien ne m'empêche de faire un journal. Donc je suis enseignant en SECPA, mais cette fois avec des élèves de SECPA, mais également avec des élèves du général et avec la prof d'art plastique parce qu'elle aime faire de la vidéo. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de se regrouper autour d'une idée et de la pousser le plus loin. Et surtout, une autre particularité, c'est que pendant ce temps-là, on valide également des compétences sans notes. La réforme nous permet de le faire. Et donc, on s'attache surtout à le faire. Et voilà, donc on se rassemble plus en fonction des classes ni en fonction de la matière, mais en fonction de l'idée et du projet. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple du numérique qui transforme la forme scolaire traditionnelle ? Est-ce qu'on peut dire que ça transforme la forme scolaire traditionnelle, Alors oui, on vient en complément. Hein, dans un collège ou dans un établissement, il y a une salle de classe, il y a un CDI, il y a une salle de permanence. Et nous, on a une salle ouverte qui est totalement différente. Ça change. Et oui, dans cette salle-là, on a accès au numérique en autonomie, en confiance, en responsabilisation, en présence d'adultes ou pas. D'accord. Et ça change la façon d'apprendre et la façon de coopérer, effectivement. Et oui, allez-y. Et ensuite, Catherine, je vous demandais votre regard sur une autre des initiatives. Sur le changement, j'ai un autre exemple aussi de ce que le numérique, des fois, peut créer comme situation pédagogique à laquelle on n'avait pas pensé au départ. À l'époque, vous vous souvenez, dans une période pas très lointaine, on faisait encore de l'histoire des arts. Et dans le cas de l'histoire des arts, il y a des élèves qui réalisaient des présentations d'œuvres d'art. Et donc, nous, on utilisait la radio comme support pédagogique. Donc, ils enregistraient leur prestation, on enregistrait leur prestation orale, elle était diffusée. Et je me souviens d'une année où deux élèves, on venait d'étudier en quatrième le 13 des maillots de Goya, et il se trouve que ces élèves, elles adoraient aussi l'espagnol. Et elles m'ont demandé si elles pouvaient faire leur exposé d'histoire des arts en espagnol. Vous allez me dire, elles auraient pu le faire sans la radio, mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu de publier leur production orale, elles voulaient se dépasser. Elles ont dit, est-ce qu'on pourrait le faire en espagnol ?
Et donc, je suis allé voir ma collègue d'espagnol. Je dis, je vais d'abord demander à ma collègue si elle veut bien, parce qu'il fallait que j'ai quelqu'un qui puisse juger des compétences en espagnol. Et on a fait cet oral. Voilà, c'était inédit. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Ça suscite la créativité des élèves, en fait. Catherine, oui. Merci. Alors, ensuite, nous avions, donc j'ai noté les musiciens, mais c'est plutôt l'orchestre numérique. Donc, j'ai repéré quelque chose, parce que souvent, avec les tablettes, bon, ils travaillent sur tablette, mais ce n'est pas la tablette où l'enfant est tout seul, va faire sa petite application, on reste pas dans un... On n'a pas du tout de visée coopérative, parce que la tablette peut être pire que le papier, des fois. Là, c'est bien 25 tablettes, mais les enfants sont par deux, d'abord. Tout seuls, ils essaient, mais ils sont vite par deux et en groupe, parce qu'ils ont un projet de production, de création et de partage. C'est-à-dire, on produit pas pour... pour faire un exercice, on produit pour les autres, on produit pour faire connaître. Donc, ce sont des restitutions publiques. Donc, j'ai noté d'importance, c'est jouer ensemble, s'arrêter ensemble. Donc, à la fois jouer, mais écouter pour pouvoir ne pas gêner le groupe. Donc, toute une affaire de travail ensemble. Voilà ce qui m'a... Et j'ai pensé à quelque chose, parce que je suis quand même pédago-freinet. Et ça m'a fait penser aussi cette créativité individuelle un peu au chef-d'œuvre cher à Freinet, où on met en public ce qu'on a réussi à faire. Bon, là, c'est par groupe, ou voilà. Voilà. Et j'ai aussi, donc j'aurais pas de questions par contre, mais j'ai trouvé que c'était un bel outil et aussi de fraternité. Voilà. Mais du coup, j'ai pas de questions parce que j'ai pas de. Très bien. Moi, j'aimerais bien que dans chacune de vos interventions pour le public, vous donniez aussi quelques pistes. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans ces projets-là? Qu'est-ce qui a fait que c'est possible d'être transférable ou en tout cas de donner des idées aux autres? Moi, l'idée que j'ai eue au départ, c'est en voyant mes gamins utiliser leurs tablettes de manière consumériste à la maison, sans pouvoir rien y faire. Voilà, c'est parti de là. Et puis moi, qui suis à la fois enseignant et musicien, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Voilà, et le triple constat de voir à la fois des enfants consommateurs de tablettes, mais sans but réel, l'idée aussi d'intégrer le numérique dans la vie des enfants comme un objet qui peut les libérer, au niveau de la création, c'est le deuxième constat que j'ai fait. Et puis le troisième aussi, c'est de se dire, comment est-ce que je peux faire pour faire collaborer tout ce petit monde en éprouvant des sensations, des sentiments, en vivant une expérience collective et à la fois intérieure. Parce qu'on est quand même en éducation artistique. Vous savez que c'est quand même le parent pauvre de l'éducation artistique. Hein. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment par ce biais-là qu'on peut rattraper des tas de petits cœurs. Parce qu'il s'agit de ça aussi. Hein. Il s'agit de vivre des expériences émotionnelles. Voilà. Et du coup, voilà, c'est parti de ce simple constat pour ma part, et puis ensuite, après, toi, tu as fait un constat sur le terrain, dans l'école ou dans laquelle tu es implanté. Mais peut-être rebondir aussi sur des choses qui défilent. L'orchestre numérique, ce n'est pas nouveau dans le sens où la coopération, c'est l'orchestre, la forme musicale en elle-même, c'est l'orchestre, la pratique de groupe qui est intéressante et qui génère, notamment, qui est exigeante en termes de compétences, mais aussi qui génère beaucoup de motivation. Donc, que ce soit un orchestre instrumental ou un orchestre numérique, la forme, elle change peu. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le numérique aujourd'hui transforme énormément nos écoutes et l'esthétique et la création artistique actuelle. Il n'y a pas un genre ou une musique aujourd'hui qui est affecté par ce travail sur les timbres, sur la couleur, sur l'identité. D'accord. Des sons. Et ce n'est pas qu'une histoire de publicité. Et dans les conservatoires, on a mis un demi-siècle, voire même plus, à intégrer le jazz. Les musiques actuelles, ça vient seulement maintenant. Mais remettre un outil au niveau de cette jeune génération où on a de la création, ça développe de la motivation. Donc après, on a un projet dans lequel les élèves ont énormément de motivation, donc c'est un outil de motivation, effectivement, le numérique, pour remettre en adéquation les pratiques de l'école avec ce qui se passe au niveau culturel, artistique. Catherine, un autre commentaire sur une autre initiative, avec cette question quand même qui est en filigrane, qui, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de controverses. On a l'impression qu'on est dans un monde idéal, parfait, que tout va bien. Oui, donc on y vient, Catherine. Parce que pour le moment, les deux initiatives
je ressentais le côté coopératif, donc j'allais pas dire voilà. Bon. Alors ensuite, c'était l'initiative la coupe robotique des écoles primaires. Donc là, pour faire court, hein, ce sont des élèves ingénieurs, c'est Polytechnique de Lille ou je ne sais plus exactement l'école, qui viennent dans l'école. Donc là, c'est un projet d'adulte. Alors parfois, on se dit, pour qu'il y ait vraiment un projet coopératif, est-ce que le projet doit venir de la classe et de la discussion ou que ça vienne des adultes? Là, on pourrait aussi poser la question. Hein, voilà, là, moi, je me suis posé cette question-là en l'écoutant. C'est un projet d'adulte. Hein. Alors, les enseignants et les élèves des classes, parce que c'est 4 classes de CM, se mettent, essaient de se mettre dans la peau d'un ingénieur pour comprendre le travail. Alors, ça permet d'oser faire comme des ingénieurs qui paraissent des fois très loin de certains enfants. Donc, c'est le côté positif. Il y a plusieurs semaines. Donc, il y a un travail de coopération avec les ingénieurs. Mais je me suis demandé si les ingénieurs faisaient de la formation aux enseignants ou si c'était vraiment une coopération. Et puis, comme il y a un défi, qu'il y a un public et qu'il y a une coupe, je me suis aussi demandé, est-ce que là, on est dans l'émulation ou dans la compétition? Donc, je me suis posé cette question-là. Alors, hein, voilà. Voilà. Judith. Voilà mes deux questions en même temps. Hein. Je vais garder le micro. Oui. Je vous laisse répondre. Ah oui, ben, je vais répondre. Je dirais, elle le fait exprès. Donc, hein. C'est un projet d'adulte. Alors, ce n'est pas un projet d'adulte. Ce qui était un projet à l'origine, c'était collaborer, contribuer à une démarche de l'école vers l'université, de l'université vers l'école. Ensuite, il y a un projet qui est monté en collaboration étroite entre l'éducation nationale et l'université pour élaborer un cahier des charges à destination des classes. Et là, les classes, ben, elles se débrouillent. Donc les élèves, ils reçoivent le projet, ils le lisent, ils se disent, ben voilà, aider de leurs enseignants, par quel bout je vais le prendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi, il faut construire une piste, tiens, quelles sont les mesures, ah ben on ne nous les donne pas, on donne juste l'air du support, ah ben comment on va faire pour trouver, ah ben il va falloir lire un petit peu plus après, donc on est dans une activité vraiment de lecture, de compréhension d'un cahier des charges, et puis on ne travaille pas tout seul. On est à plusieurs, on travaille en équipe, à l'initiative des enseignants. Et donc, les équipes d'élèves vont chercher les réponses, vont commencer à poser les hypothèses pour résoudre les problèmes. Donc, c'est vraiment un travail d'élèves. Et non pas un travail ni un projet de chercheurs, d'enseignants, d'ingénieurs. Les ingénieurs ne font pas à la place des élèves. Ils sont là pour répondre à leurs questions. Ils viennent deux jeudis après-midi sur les 5 semaines de mini-stage. Les élèves ont commencé déjà à investir le projet. Et quand les étudiants arrivent l'après-midi, ils leur demandent là j'ai rencontré tel problème, ça bloque, le capteur ne fonctionne pas toujours de la même façon. Donc on est vraiment dans un échange de compétences entre des enfants qui sont en train d'apprendre et des adultes qui ont déjà un certain nombre de réponses. D'accord. Il y avait troisième partie dans la question, il me semble. Quelle voilà. émulation pour les élèves à la coupe. Donc, oui. L'effet compétition. Oui. Alors, il y a, j'allais dire, l'effet compétition dans sa dimension plutôt... persévérance, goût de l'effort, parce que le barème établi permet à chacune des équipes de réussir. Et le but du jeu, c'est de réussir. Il y a une coupe, mais on est tous gagnants. Il n'y a pas vraiment de classement. Voilà. On est plus dans l'émulation, dans l'encouragement, j'allais dire, de la persévérance, du goût de l'effort. Et puis, ce défi, il permet aussi de développer des compétences collectives. Face à un public de fans, je veux dire, ce n'est pas un public qui va être là pour juger, même s'il y a un jury, avec les étudiants qui sont venus dans les classes. Mais le but du jeu, c'est vraiment de montrer les compétences qu'on a acquises au fil du projet et puis d'être valorisé le fait d'y être investi. Il y avait une question, moi, qui me plaisait bien tout à l'heure, là. C'était laquelle? Ah oui. Le numérique à l'école n'a-t-il que des effets positifs? Où est la controverse?
On sait tous que le numérique, il n'a pas que des effets positifs. S'il est utilisé n'importe comment et à outrance, sans scénario pédagogique. Mais ça veut dire quoi, être utilisé n'importe comment et à outrance? Je veux dire, moi, je peux aller chercher tout ce qui passe sur la toile et puis l'utiliser comme ça dans ma classe avec mes élèves, sans avoir effectivement préparé, réfléchi aux tenants et aux aboutissants de la chose. Et là, j'aurais des effets effectivement pervers, à savoir que je ne vais pas contrebalancer des pratiques de la maison, alors qu'introduire le numérique au travers de projets tels que ceux que nous avons présentés, c'est aussi en même temps accompagner la réflexion sur les limites des usages du numérique, sur ses dangers, et je crois que c'est le rôle de l'école. Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'école, dotée de toutes ses connaissances, place un certain nombre de freins, de barrages, pour éviter les effets nocifs. Mais il y a une deuxième question qui me semble intéressante. Peut-être, le numérique peut favoriser la coopération par la simultanéité et l'horizontalité, mais aussi enfermer autour des outils et non du geste pédagogique. Est-ce qu'il y a un risque? Vous avez rencontré ce risque-là? Pas du tout. Bon. On continue avec vous, Catherine, pour un autre commentaire, point de vue sur... Oui, enfin, c'est ce que j'ai perçu. Hein, donc c'est mais c'est très intéressant, ça permet de d'ouvrir un peu le débat. C'est subjectif, voilà. Et puis l'idée, c'est qu'on s'arrête pas uniquement sur les expériences des uns et des autres, mais qu'on essaye de s'en extraire pour ouvrir plus largement le débat sur justement toutes ces questions qui tournent autour du numérique. Catherine, oui, c'est sûr que c'est pas... Alors après, c'était la web radio. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai noté? Il y a plein de choses positives dans tout ce qui est reportage. Bon, ça, tout ce qui est publié, oser prendre la parole, la place des garçons et la place des filles par rapport aux garçons, des filles qui arrivent à prendre la parole beaucoup plus souvent. Ils font des reportages avec quand même des personnalités. Enfin, des célébrités, on va dire. Donc, on voit des enfants. Je dis des enfants, mais ben, on est enfant jusqu'à 18 ans. Hein, donc, je me permets. Donc, on apprend en faisant. Alors, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais ce n'est pas que dans cette expérience-là. Mais apprendre en faisant. Apprendre pour quelque chose, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On n'apprend pas pour réussir un exercice dans un cahier. Mais là, c'est un projet. Bon, ce sont tous des projets. Donc, les enfants là apprennent en donnant du sens et en vivant. Ils sont acteurs au moins s'ils ne sont pas auteurs. Parce que c'est un peu... Je n'ai pas trouvé beaucoup, d'ailleurs, dans les présentations, cette idée d'être auteur du projet, quoi. On est souvent, même s'ils coopèrent ensemble, ils ne sont pas toujours auteurs. Là, peut-être dans les reportages... Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'idée d'un reportage ou tout. Voilà, c'est comme un comité de rédaction, quoi. Voilà. Donc voilà. Est-ce que je voulais savoir. Donc j'ai vu que ça, c'était en dialogue avec les autres disciplines, mais justement, est-ce que ça essaime cette idée, cette façon de travailler? Est-ce que ça essaime avec les profs, en coopérant avec les profs? Voilà. Alors oui, bien sûr, ça essaime. Là, je vais prendre un exemple. Pour la web radio, par exemple, du collège, on utilise une interface qui s'appelle, qui sont les audioblogs d'Arte Radio. Donc Arte Radio, c'est une émanation de la chaîne de télé Arte, mais ça n'a rien à voir avec la chaîne de télé, c'est vraiment une structure à part. Le siège est à Paris, celui qui dirige ça, c'est Sylvain Gire. Et en 2006, si je ne me trompe pas, Arte Radio, donc, qui est une web radio qui propose des contenus différentes natures, beaucoup de créations radiophoniques, a créé une plateforme qui s'appelle les audioblogs et qui permet à tout un chacun de déposer ses sons, des réalisations radiophoniques personnelles qui ne sont pas soumises aux droits d'auteur. Vous ne pouvez pas mettre de musique soumise aux droits d'auteur sur des audioblogs d'Arte Radio. Eh bien, l'une des utilisations massives des audioblogs d'Arte Radio aujourd'hui, ce sont des enseignants qui se sont emparés de cet outil pour faire une web radio. Donc si vous allez regarder d'un peu plus près les audioblogs d'Arte Radio, vous découvrirez par exemple une web radio du côté de chez vous à Lambersart, des ondes et des écoliers par exemple, qui a été créée par une professeure des écoles. Donc là je parle de l'Académie de Lille, mais partout dans toutes les académies ça se développe énormément. Là, pour répondre à la question de la radio,
Mais je voudrais juste revenir sur un point, moi, qui me semble fondamental, si je peux, juste sur l'égalité entre les filles et les garçons. Parce que voilà, par exemple, une problématique de laquelle je suis parti en me disant, partant de ce constat, dans ma classe, qui prend la parole ? Souvent, toujours les mêmes. Et souvent, des élèves qui ont de l'assurance, et puis je travaille en éducation prioritaire, alors souvent, c'est des garçons qui prennent un peu le pouvoir dans la classe. Et donc, sans même parler de prendre le pouvoir dans la classe, combien de temps un élève, dans sa scolarité, va véritablement s'exprimer ? Combien de temps va-t-il parler dans une heure de cours ? Et on a tous fait l'expérience souvent, le prof, on parle beaucoup. Mais combien de temps les élèves ont parlé réellement ? Et donc, comment créer des exercices qui vont faire que les élèves vont davantage parler ? Un exemple d'exercice, créer le débat. Vous faites un débat dans une classe en cours d'EMC, que vous pouvez associer à un professeur de français, la vengeance est-elle œuvre de justice ? Un professeur de SVT, que pensez-vous de la disparition des abeilles ? C'est des débats que j'ai fait en REP+, au Collège Verlaine à Lille-Sud. Et vous avez des élèves qui doivent tous s'exprimer. La règle du jeu est donnée, vous devez au moins dans le débat prendre la parole deux fois. À la fin du débat, le premier débat, vous avez deux, trois timides qui n'ont pas pris la parole. Mais tous les autres ont pris la parole. Et pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est eux qui ont parlé. Vous animez le débat. Et puis surtout, vous avez des élèves qui d'habitude ne s'expriment pas, qui là s'expriment et viennent vous le dire. Oh merci, merci monsieur, j'ai pu exprimer mon point de vue, j'ai pu dire ce que... Je vous assure que c'est voilà ce que permet par exemple le débat. D'accord. Et le débat enregistré qui permet l'outil réflexif. L'intérêt de la radio, c'est de pouvoir écouter. Catherine, notre regard sur le... Et j'aimerais bien qu'on réponde à la question... qui est posée par Stéphane là, en quoi il est possible d'engager ce genre de projet lorsqu'on est tout seul dans sa classe, parce que c'est quand même des projets qui semble-t-il qui sont plutôt assez collectifs en termes, vous êtes plusieurs profs à vous réunir et à vous travailler ensemble sur ce projet. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour pouvoir laisser le temps à les échanges avec la salle. Je vous demanderai des réponses un tout petit peu plus. Je vais aller un petit peu plus vite alors. Bon, on n'a plus que deux présentations, mais je vais aller très vite. Ah oui, je voulais dire quelque chose en parlant de la parole des enfants. Lundi, c'est 20 novembre, donc c'est le. C'est le jour de la Convention des droits de l'enfant et c'est dans l'article 12 que nous devrions toujours, l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est l'article 12, ils doivent donner leur avis et s'exprimer sur tous les objets qui le concernent. Et en éducation, tous les objets les concernent. Donc à chaque fois qu'on donne la parole, et pas simplement pour dire bah, tu me parles, mais je donne mon avis et on va en faire quelque chose, là c'est important. Je voulais juste dire ça. Voilà. Alors sinon, pour les défis web, alors j'ai relevé, alors je vais aller vite, donc je vais être... peut-être un petit peu plus dans la critique, alors, pour répondre. Alors, ce qui m'a interpellée tout de suite, c'est l'origine. Ça vient de l'institution. J'ai compris ça. Je ne sais plus c'est qui. C'est moi. J'ai compris que c'était plutôt l'institution, conseiller IEN, conseiller numérique, conseiller pédagogique. L'objectif, c'est de faire collaborer, je ne dis pas coopérer, j'ose pas trop dire, collaborer des classes pour résoudre des énigmes. Qui sont des énigmes qui sont toutes faites, quoi. C'est pas, les enfants ne font pas les énigmes, j'ai bien compris. Voilà. Donc, c'était un peu mon... On était plus dans la collaboration venue des adultes d'un appel que, à mon avis, dans la coopération. Voilà. Pas de problème. Le premier point concernant l'institution, je suis, avant d'être enseignant référent aux usages du numérique, je suis enseignant. Donc on a commencé il y a une dizaine d'années, je ne suis pas tout seul sur le projet, mais effectivement j'avais une classe. Donc le besoin se fait par rapport à la classe, et même si on a ce profil-là, ça ne vient pas de l'institution, ça vient vraiment de cette envie d'enseignant sur le terrain. L'objectif, et je vais répondre un petit peu à quelques questions qui étaient dedans, les défis, ce n'est pas nouveau. Les défis, on en faisait déjà il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a X temps. Sauf que là, effectivement, on est sur un défi web. Il y a une dizaine d'années, il n'y en avait peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus forcément les moyens de le mettre en place. On est dans une quête scénaristique, c'est sûr, avec un gros gameplay, donc un peu comme un jeu, hein, ça c'est sûr et certain. On va dire que ça c'est pour le côté, pour donner peut-être du sens et de l'envie, de l'attraction par rapport aux élèves. Mais derrière, la réalisation des différentes énigmes pour arriver à la quête ultime du personnage va faire appel à des compétences qui ne sont pas forcément toutes utilisées par les élèves et qui vont devoir collaborer justement sur ces différentes compétences pour y arriver. C'est-à-dire
lorsque je vais avoir une recherche sur Internet pour mettre en évidence les châteaux de la Loire, par exemple, on va prendre un cas concret, puisque dans sa quête, à un moment, il a besoin de parcourir les différents châteaux, il va y avoir une recherche sur différents sites Internet, on va les guider au maximum, mais l'organisation de classe, et c'est sur ce point-là que ça nous intéressait, l'organisation de classe va faire en sorte que, par petits groupes, je vais chercher les éléments pour ensuite avoir une discussion de classe et avoir vraiment un échange d'idées et de compétences à l'intérieur de la classe pour ensuite faire remonter la réponse. Mais c'est vraiment ce temps-là d'échange qui nous paraît important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls devant l'écran pour réaliser quelque chose. Ce n'est pas un jeu vidéo seul, clairement. Donc on est vraiment dans ce côté-là où ça devient intéressant de faire un défi. Et la partie numérique, elle est d'autant plus intéressante, c'est qu'elle nous ouvre les espaces au maximum. On peut très bien aller visiter le château de Chambord en trois dimensions, on peut très bien aller voir des ressources à droite, à gauche, dans l'instantané. Donc on s'est vraiment servi de cette partie-là pour avoir du répondant. Pareil sur la partie mail, où des échanges se font par mail, et automatiquement, il y a la réponse derrière du personnage, en l'occurrence, qui leur permet, comme ça, de mettre en question les réponses qu'ils ont apportées, de revenir sur leurs erreurs et puis d'améliorer pour apporter la réponse ultime. Catherine, on voit le dernier projet, initiative. Donc le dernier projet, ça sera assez rapide, malgré que j'ai pris plein de notes. Parce qu'en fait, en écoutant, donc c'est la filière innovante d'Aubonne. Hein, c'est un collège ou voilà, une filière innovante du lycée. Donc quand j'ai listé à peu près toute la présentation, j'ai vraiment reconnu une classe coopérative. Alors donc, comme c'est une classe coopérative, plan de travail, réunion, conseil d'enfants, etc. Là, je détaille pas. Donc c'est une classe coopérative. Donc un outil numérique qui arrive dans une classe coopérative, je ne pense pas qu'il détruira le côté coopératif. Donc ça sera un outil au service de la classe. Donc forcément, là, l'outil numérique donnera, ce sera un outil pour la classe coopérative, quoi, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de, tu comprends ce que je veux dire, ouais. Donc là, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc c'est ça. Une réaction, oui. Non, pas grand chose. C'est vrai qu'on a, enfin, il y a différents aspects. Il y a l'aspect coopération et l'aspect numérique qui sont liés aussi, mais on peut se dispenser du numérique pour cette coopération là. C'est ce que je disais, là, le numérique, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable non plus. Voilà. Ok. Je voudrais qu'on passe aux questions ou réactions dans la salle, s'il y en a déjà. Je vais vous passer le micro. Est-ce que, si on n'a pas tout de suite, est-ce qu'il y a des conseils à donner en fait à des enseignants qui souhaitent se lancer sur des projets utilisant le numérique et qui n'osent pas, qui sont dans une petite réserve par rapport à ça? Alors moi oui, j'aimerais donner un conseil, c'est-à-dire que le souci qu'on peut rencontrer par rapport au numérique, c'est nos limites à nous en fait, et donc des fois on se lance pas parce que on sait pas. Ou parce qu'on ne sait pas où trouver. Et je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais notamment nous, dans la salle ouverte, l'objectif, c'est de pouvoir faire appel à des membres du réseau ou des gens qu'on connaît, ou d'autres professeurs, effectivement, qui, eux, vont avoir ces compétences et qui vont pouvoir les apporter à au projet que l'on veut mener. Et donc, c'est là où ça ouvre, en fait. C'est que je ne me dis pas que ce n'est pas possible parce que je ne sais pas, mais je vais me dire... En venant là, je vais demander de l'aide et qui va pouvoir m'aider. Je voudrais juste aussi rebondir notamment sur le défi web et sur les énigmes aussi. C'est que aujourd'hui, il y a une grosse mode aussi sur les escape games. Nous, ça fait déjà un an, voire plus, que l'on fait des escape games faits par les élèves, pour les élèves. Donc c'est eux qui créent les énigmes et notamment qui utilisent l'outil numérique et alors énormément avec les métadonnées. Ce sont eux qui les font pour les autres. Donc on est dans une autre forme d'apprentissage où les élèves vont créer pour les autres. D'accord. D'autres conseils qu'on peut donner ou qu'on peut livrer comme ça en... Ouais, je parle essentiellement dans le premier degré, mais moi, ayez un projet, lancez-vous et faites-vous accompagner. C'est ça,
C'est ça l'idée. C'est-à-dire avoir un projet et puis se faire accompagner par, par vos irons de secteur ou par, c'est des vilains mots que je dis, hein, mais bon, tout simplement par vos conseillers pédagogiques, bon, tous ceux qui peuvent vous aider, parce qu'il faut que ça parte du terrain. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est qu'on ne va pas mettre des carrés dans des ronds. L'idée, c'est que vous soyez à l'origine d'un projet, vous n'avez pas forcément le savoir-faire technique ou même l'architecture de l'ensemble du projet, vous ne l'avez pas en tête, et c'est bien normal parce que vous avez la tête dans le guidon, vous êtes dans les classes et c'est compliqué. Mais justement, il y a des gens qui sont dédiés à ces qui sont là pour vous aider. Il y a aussi la Ligue, il y a aussi plein de gens qui peuvent vous aider dans ce réseau-là. Il y a vos IEN également. Bon, bref, il y a toute une communauté qui peut s'entourer de vos projets et vous aider à les mettre en place. Moi, j'ai que ça à dire. Voilà. Et est-ce qu'il y a l'idée d'un bénéfice secondaire ? Je pourrais essayer de répondre à la question de quelle est la place du... Je ne sais pas si je l'ai compris dans ce sens-là. Quelle est la place du projet dans l'emploi du temps de l'élève, du professeur ? On dit souvent que le numérique, mais je ne sais pas si ça marche vraiment ou si c'est juste une injonction, on dit souvent que le numérique permet de donner moins de temps à la transmission des connaissances, puisqu'ils vont accéder sur le web en utilisant les outils, et plus de temps pour la relation à l'élève, plus de temps sur la bienveillance, l'accompagnement de l'élève, etc. Est-ce que vous l'avez vu ça, ou c'est juste une... Moi, je pense que quand il y a un projet derrière, quand il y a une intention pédagogique, un objectif d'apprentissage, il n'y a pas de raison de se planter. Simplement, évidemment, au départ, il y a toujours une appropriation de l'outil qui dure un certain moment et qui va engendrer un temps supplémentaire. Ouais. Par contre, derrière, on va en récupérer du temps, justement, sur le fait que le numérique permet d'aller plus vite et permet d'aller sur certains objectifs plus vite que du non numérique. Voilà. Mais je crois que ce qui doit vous guider, c'est d'abord un objectif pédagogique. Et ensuite, il y a des outils pour ça et des accompagnants derrière. Voilà. Ok. Y a-t-il une question ou une remarque dans la... où elles sont toutes là ? Oui, madame. Ça va comme ça ? Ça va ? Je ne suis pas trop habituée à parler avec ça. D'abord, oui, ça va comme ça ? D'abord, je voulais tous vous féliciter parce que franchement, ça rassure quand on vient dans ce genre de conférence. On voit qu'il y a de bonnes initiatives. Alors, je crois qu'il y en a un d'entre vous qui a rencontré le ministre, c'est pas vous, tout à l'heure ? Il n'y en a pas un qui a rencontré le ministre tout à l'heure, non ? On en a... Oui. Alors, vous n'avez pas eu envie de lui demander des moyens pour créer un bus et pendant un an, vous pourriez aller faire un tour de France et aller convaincre tous ceux qui ont peur de se lancer, parce que vous êtes vraiment des exemples et franchement, je vous félicite. J'ai pas pensé au bus tout à l'heure, mais effectivement... Oui. C'est... Mais vous pourriez peut-être demander une intervention pour proposer, parce que je pense que c'est vous qui pouvez faire changer les choses aussi. C'est nous, hein, en fait, hein, tout le monde. Hein. Voilà. Moi, je dirais pas ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a des tas et des tas de choses qui se font, des tas de choses qui se font dans l'ombre. Nous, on a eu la chance, on a l'opportunité, on a été invités, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans des tas et des tas d'établissements, beaucoup de choses qui s'inventent et qui se fabriquent. Nous, on a la chance, l'opportunité de venir présenter, mais je connais des tas de gens qui font des projets et qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais voilà. Il y avait une autre question derrière, non ? Non, j'ai rêvé. Non, pas d'autres questions. Sur les difficultés, on n'a pas parlé beaucoup. Encore une fois, on trouve que les projets sont lancés, donc on a l'impression que tout roule. Mais j'imagine que vous avez rencontré un certain nombre de difficultés. On a parlé du temps passé au départ pour initier, découvrir les outils, etc. Quelles sont les autres difficultés que vous avez rencontrées ? Est-ce que, par exemple, c'est difficile de convaincre des collègues de se lancer sur un projet collectif ? Alors, moi, je vais répondre. Comme on le sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein, c'est financier. Moi, j'ai énormément de professeurs qui souhaitent se lancer, mais qui sont sensibles au temps passé. J'ai un exemple d'une professeure d'espagnol qui, en début d'année, est venue plusieurs fois me dire « Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, mais je suis sensible aux heures. » Jusqu'au jour où, en janvier 2017, il y a eu un appel à projet sur France-Colombie. Donc c'était une professeure d'espagnol et en me croisant dans les couloirs avec ses post-it, elle me dit « Ça y est, j'ai trouvé, je sais comment je vais pouvoir travailler en salle ouverte avec les élèves. » Et à partir de ce moment-là, elle a travaillé 4 mois jusqu'à, même plus, ouais, 4-5 mois jusqu'en juin pour élaborer son projet et répondre à l'appel à projet
de façon volontaire en dehors du temps scolaire. Donc c'est à partir du moment où on a trouvé ce sur quoi on a envie de se lancer, on passe tous du temps, et les élèves pareil, en dehors du temps scolaire, quand ils n'ont pas cours, quand ils ont permanence, c'est l'envie. À partir du moment où on a envie, on va très loin, je pense. Oui. Oui. Juste pour dire, effectivement, pour les moyens mettre en place ce numérique-là et cette coopération au niveau de la classe, nous, sur cette partie défi web, on a mis un certain nombre de documents, donc que ce soit documents pédagogiques ou autres pour aider, mais également organisationnels. L'une des complexités au niveau du numérique au premier degré, c'est vraiment, j'ai 30 élèves devant moi, comment je fais ? Parce qu'il y a l'aspect technique. Oui, je veux aller dans le pédagogique, ça a l'air super ce que tu fais, mais il y a l'aspect technique et comment je peux faire si je suis... Bref, il y a des organisations à mettre en place, c'est-à-dire progressivement, gérer sa classe, des petits groupes, etc. Toute cette prise en charge-là, elle doit avoir une première explication pour pouvoir aller progressivement vers le numérique. Nous, on passe par ces dossiers pédagogiques et aussi par le réseau que tu as dit tout à l'heure, donc on va en remettre une petite couche, par les IRON ou les anciens conseillers au numérique chez nous, du moins des gens qui, des fois, sont dans l'ombre, mais qui sont là aussi pour aider, dans un premier temps, les collègues sur le terrain à le mettre en place. Et ça me paraît nécessaire et important qu'il y ait un maillage sur le terrain d'enseignants. Donc ce sont des enseignants qui avaient également une classe ou qui ont encore une classe pour aider à le mettre en place. Et vraiment, la plus-value qu'on en retire derrière, c'est pas le fait qu'il y ait je sais pas combien d'écoles et qu'il y ait des gens à Moscou qui le fassent ou autre. Oui, c'est chouette, mais c'est pas tant ça. C'est vraiment de se dire que là, on a cette année des collègues qui l'année dernière ne voulaient pas le faire et progressivement, on les lâche, puisque progressivement, ils ont réussi à mettre ça en place. Ils ont dépassé cet aspect technique, on va dire, pour se consacrer sur le pédagogique et aller sur des besoins de coopération dans la classe et travailler sur le pédagogique. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus gros succès qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour poursuivre dans ce que tu disais, je dirais que quand on se lance sur des projets qui sont des projets assez ambitieux, il ne faut pas rester tout seul. Moi, je dirais qu'il faut savoir s'entourer, aller voir autour de vous des collègues qui ont des compétences qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, ça va vous aider. Et il faut aussi saisir les opportunités des partenaires institutionnels, évidemment. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans chaque académie, il y a des CLEMI, il y a un réseau Canopé, il y a des tas d'actions qui sont menées, de formations qui sont menées dans le cadre de la DAFOP aussi, il y a des tas de formations. Enfin, je veux dire, on a quand même tout un panel de formations qui sont proposées chaque année. Donc ça peut être un moyen d'apprendre. Et puis, dans votre établissement, dans votre école primaire, ou votre collège ou votre lycée, allez voir, questionnez autour de vous. Moi, j'ai commencé à faire de la radio avec des gens qui étaient meilleurs que moi. J'ai découvert une fois un assistant d'éducation qui avait une pratique du son bien plus poussée que la mienne, et il m'a appris des tas de choses. Voilà, c'est où s'ouvrir vers les autres, et je pense que c'est un... N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions dans la salle. Ah non, mais je voulais juste préciser quelque chose aussi. Il ne faut pas oublier les parents dans les compétences comme ça. Moi, ça m'est arrivé de faire appel à des parents dans ma classe qui avaient des expertises que je n'avais pas. Donc, ne pas oublier les parents. Oui. Alors c'est plutôt au niveau du premier degré, mais au niveau des petites choses aussi, au niveau des financements, c'est pour dire que le numérique, souvent on a des associations avec ce qui peut être technique, etc., etc., et on se focalise sur l'outil, alors que quand il y a des occasions, comme quand Raphaël est venu et a exposé, a montré les interfaces à des élus, à des décideurs, les choses vont très vite à ce moment-là, parce qu'on est au cœur et on est au sens de l'action, et on n'est pas au niveau de l'outil, de la technique, et sur ce genre de choses. Et dès lors que ça s'est perçu, c'est communiqué, c'est reçu, les choses vont très vite et il y a effectivement après beaucoup de financement possible. Il y a une question là. La question, juste pour finir ce que disait Yannick, faire bouger l'école, c'est pas suffisant. Il faut faire bouger un territoire. Il faut mettre en synergie tous les acteurs d'un territoire. C'est ça qui est très important. Sinon, il n'y a pas de relais financier. Quelqu'un nous suggère de revenir sur le cœur de la question qui initiait cette conférence. A-t-on besoin du numérique pour favoriser la coopération à l'école ? Est-ce que ça veut dire que le numérique, c'est un moyen, mais ça, évidemment, c'est vous, Catherine, qui connaissez peut-être le mieux le sujet, c'est il n'y a pas besoin du numérique ? Comment ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si la classe est déjà coopérative, le numérique
va continuer. Alors, il se peut que grâce au numérique, la classe devienne coopérative. Et il se peut aussi qu'avec le numérique, la classe ne devienne jamais coopérative. Il y a les trois possibilités. A-t-on besoin du numérique pour faire de la coopération ? Non. Non, évidemment. Moi, je peux donner l'exemple d'une collègue de français au collège Lucie Aubrac à Tourcoing qui fait... avec une collègue de maths aussi, qui font des classes coopératives. Elles font un travail extraordinaire, parfois avec le numérique, mais la plupart du temps sans le numérique. Hein. Non, évidemment. On va s'arrêter peut-être là. J'avais juste quand même une dernière question. C'est quoi votre ressort interne, si je puis dire, à bouger ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous ennuyez dans vos classes, vous supportez plus vos élèves, il faut bien les faire trouver une autre manière de les aborder. C'est le proviseur qui vous a dit, ou le principal qui vous a dit, va falloir s'y mettre parce que sinon, on ne va pas s'entendre. C'est quoi votre... Dans ce cas précis, l'orchestre numérique, en fait, il s'inscrit pour les CE2. Les CM1, CM2, c'est des orchestres instrumentaux. Enfin, comme vous le savez, dans les conservatoires, on a cette culture instrument d'un côté, formation musicale, dit solfège avant de l'autre côté. Et on s'est très bien rendu compte qu'on ne pouvait pas délivrer un cours de formation musicale ou de solfège à l'école, que ça ne marcherait pas. Du coup, c'est la création qui fait qu'on s'interroge sur les formes, sur le langage, sur le contenu. Et du coup, pour ça, on a besoin d'être créatif. Et du coup, le numérique est idéal pour ça, parce qu'on n'est pas sur une entrée disciplinaire ou instrumentale, on est sur une entrée globale et musicale. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment très important. Quelqu'un veut rajouter un mot là-dessus ? Oui, à vous. Je crois qu'au-delà des appétences personnelles des uns et des autres pour des domaines divers et variés, que ce soit la musique, les sciences, la mécanique, la robotique, les arts, avant tout, puisqu'on est pédagogue, enfin moi maintenant je suis passée de l'autre côté, je suis inspectrice. C'est parce qu'on observe les élèves, qu'on recherche des solutions pour améliorer leur bien-être, pour améliorer leur performance, pour que notre école soit plus, j'allais dire, mieux perçue, surtout dans une société qui bouge, dans des évolutions technologiques auxquelles on doit adhérer et pour lesquelles on doit aussi éduquer nos élèves. Donc moi, je pense que tout ça est vraiment congloméré dans une réelle réflexion de comment on peut aider les enseignants à mieux aider leurs élèves pour qu'ils apprennent mieux, comment aider à apprendre de mieux en mieux en étant heureux d'apprendre. Et je crois que le numérique, il facilite, il favorise un certain nombre de choses, soit parce qu'il allège l'accès direct au savoir. Bon, je pense qu'on n'a pas parlé de la classe inversée, mais c'est un autre type d'approche. Et où on est obligé de revisiter la place de l'enseignant comme détenteur du savoir. Voilà. Donc, je sais rechercher des stratégies pour faire avancer notre école. Très bien. Patrick Saoula. Et on va peut-être s'arrêter là après. Oui. Alors, moi, c'est pour expliquer mon ressort. Pourquoi la coopération ? Je suis enseignant en SECPA. Toute l'année, j'ai deux classes, 2 fois 8 élèves. Donc, pendant 30 ans, mon année scolaire, ça peut être avoir affaire à 16 élèves. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie de travailler comme ça et chaque année avec ces 2 fois 8 élèves, ou alors trouver le moyen de pouvoir travailler avec tout le monde, coopérer avec eux et de pouvoir créer avec n'importe quel enseignant ou n'importe quel élève du collège. Et donc c'est comme ça qu'est née la salle ouverte en fait. Voilà. Une dernière question, une remarque que je trouve très, très maligne. Est-ce qu'on peut inverser la proposition en disant que la coopération favorise un utilisage intelligent du numérique ? Si le numérique favorise la coopération, est-ce qu'inversement, la coopération favorise un usage intelligent du numérique ? On va dire oui, d'accord. Et alors, on s'arrête aussi sur un dernier info qui peut être intéressant à partager, le e-twinning, la plateforme européenne personnellement, je ne connaissais pas, qui offre aux enseignants la possibilité d'entrer en contact et favorise la coopération entre ligues. E-twinning. Bien. Merci beaucoup. On s'arrête là. Je vous souhaite merci à tous. Bonne après-midi à tous et bon salon. Au revoir.